Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Ce soir, avec les femmes, nous parlons de l'amour, nous parlons de l'intimité dans un couple, nous parlons de la sexualité dans la rue. Il y en a, du moins, il y a certains couples qui éprouvent beaucoup de plaisir à se faire des caresses, à se faire des bisous et autres dans certains endroits publics. Ça peut être gênant pour certains. Comme ça peut donner beaucoup de plaisir justement à ces personnes qui aiment bien se livrer à ce type de scène. Ce soir, dans les cas de parole de femmes, nous parlons de la sexualité dans la rue. Êtes-vous pour ou contre? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y a des avantages, des inconvénients? Est-ce un fantasme, un vice ou alors ce n'est qu'une chose normale? Avec mes invités, nous allons en parler tout au long des 52 minutes qui vont suivre. À tout de suite. De plus en plus, des couples se plaisent à jouer à ces petits jeux-là, que ce soit dans la voiture, dans des lieux publics, jardins, cinéma, fêtes, snack bar et autres, night club et autres. Il y a ce constat-là. Très souvent, on remarque deux personnes dans un coin qui sont en train de se mettre à l'aise, si on peut dire ça comme ça, des caresses, des bisous, bref. Elles vivent à fond leur intimité, elles vivent à fond leur relation amoureuse. Alors ce soir, dans le cas de Parole de Femmes, on a choisi de parler de la sexualité dans la rue. Avec mes invités, nous allons analyser, apprécier un peu ce type de pratique. Nous sommes avec des personnes qui aiment bien le faire, elles vont nous donner leurs raisons. Et je vous déroule tout de suite le panel. Je commence par Miranda Cantan. Bonsoir Miranda. Bonsoir. Comment allez-vous Miranda? Très bien. Alors Miranda, vous êtes âgée de 40 ans. Oui. Vous êtes en couple, la mère de deux enfants, oui. Commerçante. Oui. Vous détestez le mensonge, vous aimez l'amour, vous adorez l'amour. Bien D'ailleurs, sûr. vous êtes une grosse femme amoureuse. Bien sûr. Vous venez de Lido. Oui. Vous aimez bien le héros, c'est un plat traditionnel. Bien sûr. Alors, Miranda, Oui. vous, puisque vous adorez justement l'amour, vous vivez l'amour et vous vivez justement votre relation, c'est-à-dire l'amour partout à la fois. Bien sûr, je vis l'amour au fond. Lorsque j'aime, je lance. Je ne me cache pas. Je fais où je veux et quand je veux. Si je suis avec mon gars, ça me prend n'importe où. On lance. N'importe Ça ne où. sert à rien de cacher. Tu te caches pourquoi? Ça ne se cache pas. Puis, mais vous n'allez pas le faire même dans les marchés, tout partout, Pourquoi? quoi. C'est mon gars ou pas? C'est mon gars, il m'appartient. Sauf si même pas. Si on s'aime, ça va. Je ne vois pas où il y a un problème. D'accord. Oui. Donc, vous assumez ça parfaitement. Oui. Très bien. Mais vous détestez le mensonge. Bien sûr. Merci, Miranda, d'avoir accepté cette invitation. De rien. Elle est là, juste à côté de vous. Elle a tenu à participer. Elle vient de très loin. Elle s'appelle Anne Tanga. Bonsoir, Anne. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Un peu grippée, mais ça va, merci. Alors, vous êtes mariée, mère de 5 enfants. 1, 2, 3, 4, 5. Eh oui. On dirait même pas. Bah, c'est la nature qui fait bien les choses. Très bien. Vous êtes infirmière, passionnée par la lecture, les romans policiers. Oui. Vous détestez l'hypocrisie, vous aimez Ah, bien le ça. lait, un Super. plat sawa. Avec plein de crevettes. Avec plein de crevettes. Alors, vous êtes entre Paris et Douala. Oui. Résidente à Paris, mais actuellement vous êtes en vacances À Douala, dans la à famille. Douala, à Bonabéry, Oui. Douala 4e. Vous êtes âgée de 38 ans. Oui. Merci d'avoir accepté cette invitation, Anne. Tout le plaisir pour moi, Julie. Et comme Miranda, vous vivez l'amour à fond, alors vous aussi. Ben, je pense que quand on est amoureux, autant mieux l'exprimer. Hein. Si ce n'est pas par les paroles, ça peut être par les gestes. Que ce n'est que normal. Voilà. Ça détend, ça libère. On se sent bien, on se sent aimé. Donc, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de moment, non. Peu Ben, importe, on se met à peu l'aise. importe, oui, mais pas trop exhibitionniste non plus, quoi. Voilà. D'accord. Merci en tout cas, Anne, d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes fidèle, téléspectatrice de Parole des Femmes. C'est avec un grand plaisir que nous vous recevons sur ce plateau. Alors, elle est Merci. là aussi, Lydia Kiama. Bonsoir, Lydia. Merci. Comment allez-vous, Lydia? Ça va très bien, Julie. Alors, vous êtes Et mariée? vous? Ça va. Oui, ça va, merci. Ça va.
ça va, vous m'entendez, il n'y a pas de problème. Alors, mariée, mère de 4 enfants, grand-mère de 3 petits-enfants, ménagère, vous aimez bien la musique, le makossa. Surtout, j'adore. Vous adorez le makossa. Vous allez souvent dans un club danser un peu de makossa. Ça m'arrive parfois. Oui, de temps en temps. De temps en temps. Très bien, vous détestez la calomnie, vous aimez bien le foie et le plantain. Oui, je n'aime pas la calomnie, je déteste tellement. Je n'aime pas. Et vous avez une grosse gourmandise, une grosse... vous aimez le foie. Le foie et du plantain. Du plantain. On a voulu savoir les plats qu'il y a. On a voulu être un peu curieux aujourd'hui de savoir ce qu'elles aiment bien manger, ces femmes-là. Alors, vous venez de Bonafrizo, tu es âgée de 54 ans. Merci d'avoir accepté cette invitation, Lydia. Lydia. Alors, il vous arrive déjà aussi, vous êtes arrivée de vivre votre sexualité en plein air, dans la rue. Faire des bisous, des caresses et pourquoi pas faire ce qu'on ne va pas prononcer là. Vous arrivez quelquefois de le faire? Je suis contre ça, Julie. Ah bon? Je suis contre ça. Pourquoi? Je n'apprécie pas ça. Ça ne peut pas m'arriver de le faire et ça ne m'arrive même pas. Bon, je sais, on peut le faire. Il y a 4 murs, c'est réservé pour ça. Moi, avec nos enfants là qui s'exposent partout, tu les rencontres partout en train de s'amouracher, je n'ai jamais apprécié et je n'apprécie même pas. Ben, ils disent qu'ils vivent l'amour. Je dis non. C'est une façon... Moi, je dis non à ça. Mais pourquoi vous dites non? Non, c'est pas beau. C'est pas beau à voir. À notre temps, moi, je ne sais pas, je connais pas des choses comme ça. Ben, peut-être parce que les temps ont changé. Nos enfants aujourd'hui parlent. Non, ils vous parlent d'anorisme. Les temps ont beaucoup changé, je pense. Devant les parents. On est frustrés par nos parents qu'on n'arrive pas à s'exprimer. Est-ce que vous le vivez dans les 4 minutes quand vous dites, est-ce que vous vous sentez bien? Très bien. Il ne vous manque pas quelque chose? Rien. Je suis sûre que si. Mais justement, vous qui avez donc l'habitude, enfin vous qui aimez bien exploser ça et tout ça, je veux dire, est-ce que, comment ça se passe? Ça vient naturellement ou alors... C'est tout simple, on ne le calcule pas. En fait, moi, personnellement, je ne vais pas dire que je fais l'amour dans la rue. Mais les petits câlins, tenir la main, les bisous, c'est quelque chose de tout naturel. On n'a pas forcément besoin de mots. Déjà, dans notre culture, on nous a tellement frustrés. Oui, il ne faut pas regarder ci, il ne faut pas faire ça. Mais c'est quelque chose de très naturel et on se sent bien, on se sent vraiment bien dans sa tête. Votre mec ou votre mari vous tient la main, on n'a pas besoin de d'autres mots. Hein. Ça passe tout ça, seul. C'est normal, on parle de la sexualité dans la rue, c'est-à-dire embrasser. Oui, voilà, si l'amour, si par exemple tu es dans la voiture avec ton mec, ça te prend, vous le faites dans la voiture. Oui, c'est ton. Mais ça ne peut pas vous prendre dans la chambre, ça vous prend seulement dans la voiture. Non, mais c'est beau, voilà. C'est beau la vie. Ça te prend, c'est naturel. De façon spontanée. Oui, c'est naturel. Alors, vous n'avez pas, on va dire, vous n'êtes pas gêné, vous ne vous dites pas que... Comment? Non, je ne suis pas gêné. Et votre partenaire, lui aussi, il aime bien ça comme ça? S'il n'aime pas, ça ne peut pas marcher avec moi. Moi, je ne peux pas fonctionner avec un homme qui ne peut pas faire ça. Parce que moi, c'est ce que j'aime. Et très souvent, quand vous le faites, comment... C'est-à-dire le regard, l'entourage, les personnes qui vont... Moi, je m'en fous. C'est ma vie. C'est ma vie à moi. Je m'en fous des autres. Voilà. Oui. Oui, Lydia. Là, ça ne dépasse pas la folie, ma fille. C'est pas la folie, ma mère. Non, vous allez m'excuser, ma chérie. C'est pas la folie. Ça ne dépasse pas la folie. C'est pas la folie, ma mère. On s'abstient. Quel qu'en soit le cas, on s'abstient. C'est pas beau. Moi, j'ai dit dans les yeux des gens, c'est pas beau à voir. C'est que vous n'avez jamais aimé. J'aime. Non. Comme je vous dis, même la j'aime actuellement, la j'aime. Je suis d'accord que ce n'est pas être exhibitionniste, mais le faire, je veux dire, embrasser son mec, c'est quelque chose de naturel. Non. Il n'y a pas de mal à ça. Bon, peut-être d'où vous venez, peut-être c'est normal. C'est courant. Même ici, ça se fait. Voilà. Il n'y a pas d'âge à ça. Il n'y a pas d'âge qu'on ait un certain âge ou pas. Vous ne pensez pas que c'est une histoire de culture, Lydia, peut-être. Moi, je pense aussi. Une histoire de culture. Ici en Afrique, on n'est pas habitué à voir des personnes s'embrasser dans la rue. Ça choque pas, les enfants, ça choque pas mes enfants de me voir faire un bisou à le papa ou les embrasser, ça ne choque pas du tout. Ils savent que mes parents s'aiment, mes parents sont amoureux, c'est quelque chose de normal. Alors vous, Miranda, ils sont habitués? Oui, ils sont habitués. Ça n'étonne pas mes enfants. Oui. Je continue à dire non. Pourquoi? Il faut souvent voir, par exemple, comme à Bonadio, partout là, les dimanches à la paix midi. Mais c'est du n'importe quoi. Il s'exprime. C'est du n'importe quoi. Qu'il est
court à leur non, amour, laisse couler leur amour, c'est quelque chose de naturel. Je ne supporte pas ça. Moi, je vous dis particulièrement, je ne supporte pas ça. Les choses ont évolué. Hein. Je n'accepterai jamais ça. Je pense que beaucoup de mentalités ont évolué. C'est que tes enfants font dehors. Ah? Voilà, exactement. Oui. Pourquoi tu n'acceptes pas? Mais moi, je dis non. Elles n'ont qu'à faire, mais moi, je dis non. Bah alors, vous vous dites non, bah, ça fait honte. Ça fait honte. Mais il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir. Ils disent exprimer leur sentiment. Non, non, non. On exprime ça partout. Hein. Mm. Ce n'est pas seulement en faisant ça dans la rue qu'on peut exprimer. Non. Ça veut dire que si ta fille est là avec son fiancé, elle ne peut pas faire bisous devant toi. Je n'ai même pas besoin de laisser quand elles sont là. Je n'ai pas besoin de les voir ensemble. Quand ils sont là, je vais l'enlever. L'ancien temps, ça, on le ressent vraiment. Alors, vous pensez pas que l'ancien temps, vous pensez pas justement que cette époque-là nous manque réellement quand on regarde. Il y a eu trop de frustration. Jamais. Il y a eu trop de frustration. Alors, qu'est-ce qui diffère un peu? Est-ce qu'il y a quelque chose de différent comme le fait à l'extérieur que dans la chambre et autres pièces habituelles? Tu sais, quand tu sors souvent, par exemple, tu sors avec ta copine, on peut dire, disons, tu as fait peut-être 3-4 mois, tu n'as pas un gars. Tu sors avec ta copine, vous allez peut-être au snack. Justement, quand tu vois un gars avec sa femme, en train de s'embrasser, en train de faire les trucs, ça te fait mal. Tu n'es pas à l'aise, tu te dis, pourquoi ce n'est pas moi? Je dis, c'est pas calculé, hein. Tu comprends, non? Subitement, si tu tombes amoureuse, tu as envie aussi de faire la même chose? Et quand tu fais, ça te libère. Ça chasse même les stress. Ça déstresse. Oui, j'ai dit non. Ma fille, j'ai dit non. Mais il y a des ma mère. Le monde de maintenant est comme vous ça. Vous ne calculez pas. Oui. Quand tu dis, tu vas sortir avec ta copine qui peut-être fait 4 mois, elle n'a pas d'homme, tu sors avec elle, elle a son ami, elle l'embrasse. Tu n'es pas obligé d'être emporté par ça, ma chérie. Tu n'es pas obligé d'être emporté par ça. Ça fait mal. J'ai dit non. Ouais. C'est pas calculé du tout. Hein. Alors, c'est calculé. Par moment, on calcule, c'est calculé l'amour. C'est pas calculé l'amour. Il y avait un musicien qui a dit, moi, c'est calculé, ça se calcule. Non, c'est calculé l'argent, c'est pas calculé l'amour. C'est spontanément, il faut le vivre spontanément. Oui, mais est-ce que, je veux dire, on ne vit pas deux fois et la même. Vous avez dit qu'il n'y a pas d'âge, il n'y a pas... Mais oui, il n'y a pas d'âge. Justement, vous comptez offrir ce spectacle, vous comptez le faire... pendant un certain nombre d'années ou alors tout au long de votre vie? Tout au long de ma vie. Tant même si c'est dans 100 ans, je vais le faire. Si j'ai la force de faire, je vais le faire. Voilà. Bah alors, alors, un parent qui se livre en plein débat sexuel comme ça dans un lieu public ne tient pas en compte les regards indiscrets peut-être de certains enfants. Moi, je vous ai déjà dit que c'est ma vie. Ma fille, si tu me rencontres, alors tu as fait des palais bêtises, tu vas me supporter si je comprends bien. Bien sûr. Non. Maman, c'est ta vie. Je dirais non. Si ça va te rendre heureuse, non. Mais je suis libre de le faire où je veux, dans un cadre restreint. Pourquoi tu es libre de le faire? C'est pas lui, où je veux. Puisqu'on parle de m'exposer, c'est pas en s'exposant qu'on fait bien. D'accord. Anne, justement, quel est le lieu le plus insolite que vous l'avez justement fait, puisqu'on parle de le faire en public et tout ça, là, de la sexualité? Avec mon mari. En journée ou dans la nuit? Oh non, pas en journée. D'accord, dans la nuit. On n'a pas calculé, hein. Ben, on a compris que ça ne se calcule pas. Est-ce qu'à Douala quand même ou bien non? Non. Non, ce n'était pas à Douala. Vous l'avez déjà fait ici dans à Douala, vous pourriez le faire? Vous pourriez? Si je suis avec mon mari, oui. Ah oui, on ne le calcule pas. Si ça nous arrive, oui, pourquoi pas. Ouais. Et vous, Miranda? En journée, si ça arrive en journée, je fais. Et vous avez dit partout. Même en plein champ, en plein marché. Je fais. C'est pas moi qui fais. C'est pas moi, c'est le cœur. Mais vous pouvez pas résister un peu? Non. Ces choses-là ne se cachent pas. Ben, ça vient seul. Ça vient seul. Et dès que ça vient un peu, attendre, je me mets à l'aise. Lydia, pourquoi? Attendre, arriver à tous les jours, on fait à la maison, on est fatigué de faire à la maison. Ah bon? Il faut changer. Oui, on est fatigué de faire à la maison, sur le lit, tous les jours, c'est fatigué. Alors, est-ce qu'il faut pimenter aussi un peu le couple? D'accord. Il faut pimenter le couple. En faisant dans la rue. Non, c'est pas en le faisant dans la rue, mais je veux dire, s'il te tient la main, s'il a envie de te faire un bisou, pourquoi? Il faut pimenter, il faut un peu changer, il faut toujours agrémenter. Ça, parce que tu es déjà là dans la maison, que tu penses que tout est acquis. Ah oui. Non, il faut changer. Vous voyez donc, Lydia, de plus en plus, les jeunes couples se lancent dans ce type de scène-là. C'est-à-dire, aiment bien vivre leur relation amoureuse, leur sexualité en plein air, dans la rue. Quand vous regardez ça, quel est le... Ils vont dire qu'ils sont androïdes, comme ils le disent souvent, le mot androïdes est arrivé. C'est les androïdes. Moi, je dis non.
Je dirais toujours non, nos mes enfants. Maman, c'est maman, pas nos beau hommes de maintenant adorent ça. Lydia, je pense que tu passes à côté de quelque chose. Ouais. Ne pas laisser cours libre à tes sentiments. Tu passes à côté de prenant beaucoup. Non, je ne passe à côté de rien, ma chérie. Si, tu passes à je côté ne passe de à côté de rien. Je suis tranquille dans ma tête. Et puis tout dépend de l'éducation que tu as reçue. Voilà, en plus. Peut-être cette éducation-là. Mais les choses ont évolué. Alors, est-ce que pour vous, c'est des fantasmes ou alors c'est des vices ou alors c'est des choses que vous le faites de la façon la plus naturelle, la plus normale? Pour moi, c'est la chose la plus naturelle qui soit. D'accord. Naturelle. En plus. Normal, oui. Dis donc. Moi, j'ai dit non. Ouais, vous, on a compris. Ce n'est pas du tout un fantasme. Et ce n'est pas des caprices. Hein, d'accord. Alors, vous avez des enfants toutes les trois. Mm-hmm. C'est-à-dire, vous parlez sexualité avec vos enfants. Bien sûr. Il y en a qui sont déjà grands, qui sont majeurs et tout. Ouais. Non, pas encore, mais vous. Non, mon premier est majeur aussi. Mon premier fils a 17 ans. D'accord. Donc, vous avez déjà intégré quand même dans vos têtes que, voilà, je pourrais être en train de me balader dans la rue, je tombe sur mon fils ou sur ma fille en plein débat sexuel. Vous réagirez comment? Vous réagirez comment? Il est amoureux. Mmh. Il est amoureux. Mmh. Pardon. Mmh. Il est amoureux, c'est tout. Vous c'est qui est-ce que ça devait alors, toujours arriver un jour? Oui. Alors, oui, ouais, donc, parce que, c'est-à-dire, on a nos mœurs, on a... C'est-à-dire une certaine dignité pour la femme, la pudeur et autres. Vous en faites quoi de toutes ces choses-là? On garde toujours la dignité de la femme, on garde toujours la pudeur. À partir du moment où vous êtes avec votre homme. Avec votre homme, il n'y a pas de règle à ça. Ouais. Il n'y a pas de règle à ça. Mmh. On devra peut-être lancer une chasse. Hein? Commencer à chasser toutes ces femmes-là qui le font ou pas là. Mais si on va chasser toutes ces femmes qui le font dans la rue, je pense qu'on se chassera tout le monde. Il n'y aura plus personne du tout dans la rue. Vous, par exemple, qui vivez de l'autre côté, c'est des choses normales. Et même les gens font pire. Ben voilà. Ben voilà. Bah, racontez-nous un peu. Ben, en fait, ils ne le calculent pas. Ce n'est pas pour impressionner les gens qui sont à côté. Ça se fait dans les métros, ça se fait dans le train, ça se fait... Les gens, ils laissent... à leurs sentiments, ils laissent libre, ils expriment le sentiment par tout ce qu'ils peuvent, les câlins, c'est normal, ça ne choque personne en fait. Ça ne choque personne, c'est pas de l'exhibitionnisme. Ils vivent pleinement leur amour et les vieux, les jeunes, les moins jeunes, c'est normal. Alors Lydia, il y a des scènes parfois on est comme ça en public, dans certaines soirées ou bien dans des lieux de fête et tout, il y a des hommes qui vont jusqu'à tripoter leur femme. Je ne permets pas, maman, je ne permets pas. Quand je vois ça, je refuse. Si tu es à côté de moi, on fait ça, je ne peux pas accepter. Je refuse. Je vois même souvent ça, moi-même, je vois les hommes mettre les mains dans les soutiens des femmes, mettre les mains dans les slips, toucher tout ça. Et en ce moment, la femme elle-même se laisse faire. Ce qui n'est pas possible, ce qui n'est pas normal. Parce qu'elle est amoureuse. Non. C'est son gars, la mère. Je suis entre les deux, je le dis encore. Je suis pas exhibitionniste, mais vraiment, je laisse cours à mes sentiments. Je ne vais pas jusqu'à aller me déshabiller. Si je l'aime, je ne dis pas non. Sauf que je l'aime pas. Oui, si je t'aime, ça va. Tu envoies la main à te déshabiller là, tu peux même t'allonger. Il n'y a pas de souci. Je fais ce qu'il y a à faire. Mais Miranda, qu'est-ce qui est si intéressant, si excitant, bien si. Qu'est-ce qui rend ça? Qu'est-ce qui vous encourage? Vous motive. Moi, j'adore l'amour, tout simplement. J'aime être amoureuse. Quand je suis amoureuse, je suis bien dans ma tête. Je suis bien dans ma tête. C'est tout. Et vous alors, Anne, qu'est-ce qui vous motive particulièrement à le faire? Quand on est amoureuse, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite? Il n'y a pas de limite quand on est amoureuse. Ouais. Par contre, vous, il y a des limites. Il y a des limites. Bien que vous soyez amoureuse. Ouais. Vous le faites où alors? Là, moi, il y a les chambres pour ça. Dites-moi. La maison est là pour ça. La maison est là pour ça, mes enfants, mes filles. La maison est là pour ça. Je refuse. La manière d'accepter qu'en route, dans les rues, partout, je dis non. Moi, je dis non. Mais alors, si un homme vous proposait quand même, imaginez que vous rencontrez un homme gentleman beau. Moi, je ne le permets même pas. Moi, je ne le permets même pas. Si demain, votre mari vous dit, changeons un peu autre chose pour pimenter un peu notre relation, et qu'est-ce qu'on dit? On peut aller se détendre ailleurs, soit à l'hôtel, soit. Mais pas dans la rue. Ouais. Donc, vous, quand bien même ça vous envie, vous vous contrôlez, quoi. Vous cachez, vous avez l'impression que vous cachez votre âme. Elle se cache. Vous n'avez pas envie d'exprimer, c'est un peu comme si vous cachez quelque chose. Je ne me laisse pas aller.
Vous vous cachez en fait. Oui, je me cache. Je ne me laisse jamais aller. Vous avez peur de quelque chose. De quelque chose. J'ai peur de vous. C'est votre mari. J'ai peur de vous, ces enfants. C'est votre mari. Vous avez peur de vous, là. Si en faisant ça, ma fille arrive là, elle me pipe. Je fais comment? Non. Ta fille connaît déjà ça. Elle connaît ça, mais je n'ai pas besoin de lui montrer. Tout au contraire, elle sera contente de voir ses parents amoureux. Non, elle sera plutôt contente de voir ses parents amoureux. J'ai dit non. Elle sera plutôt contente de voir. Vous pouvez pas imaginer le bien que ça fait aux enfants de voir quand ses parents, même ils se font un petit bisou. Non. Essayez, vous allez voir. Alors si, donc, alors si ça a fait bien, regardez, il y a par exemple plusieurs séries télé et tout ça, avec des séries étrangères, on voit des acteurs se livrer à certaines scènes parfois assez chaudes, assez hautes, des scènes d'amour qui peuvent parfois aussi mettre beaucoup de personnes mal à l'aise, heurter beaucoup de sensibilité. Et il y a beaucoup de parents qui ont décidé justement de coder ces chaînes-là, parce qu'ils évitent que leurs enfants vivent certains, regardent certaines images et vivent certaines scènes, par peur peut-être de les perdre un peu dans la tête et autres. Tout au contraire, alors, quand ils le font. Combien de fois quand le parent lui-même devient acteur de son mais propre film. Mais c'est dangereux. Moi, je dis, quand ils bloquent leurs enfants, quand ils interdisent certains programmes et certaines. Mais ça attire plutôt la curiosité des enfants. Les enfants, ils auront besoin d'aller faire les expériences. Pourtant, si tu leur en parles, tu dis, ok, l'amour, c'est comme ça, tu as le droit d'exprimer tes sentiments, peut-être pas seulement, mais par des gestes, par des paroles ou par autre, tu les recadres bien. Il y a quand même une certaine éducation que tu donnes à tes enfants. Quand tu les interdis de voir ces choses-là, c'est à ce moment-là qu'ils seront assez curieux pour aller le faire et tu ne pourras plus rien contrôler. Bah alors, si le parent lui-même est le premier à embrasser son mari devant les enfants, à le déshabiller, à faire certaines choses devant les enfants. Vous voulez que les enfants, ça ne va pas les rendre précoces d'une manière ou d'une autre. Ça ne peut pas les rendre précoces parce qu'à partir du moment où tu dis à tes enfants, ça les pervertit pas. Être amoureux, déjà, il faut avoir un certain âge pour être amoureux. Moi, mes enfants, quand ils regardent les films où on s'embrasse, moi, je leur dis, oui, vous avez le droit de regarder parce que c'est tout à fait naturel. Quand les adultes, souvent, je l'ai dit, les adultes ont le droit d'être amoureux et de s'embrasser, de se faire des bisous, de se faire des câlins comme papa et maman. Mais toi, tu as le temps d'attendre, tu as le temps de grandir, tu as le temps de grandir pour pouvoir faire ces gestes-là. Ça ne sert à rien de les... Non, l'éducation que tu leur donnes, c'est que tu leur dis, tu leur parles de tout, il faut être ouvert. Ça ne sert à rien de cacher, parce que de toutes les façons, ils iront le voir, ils vont le découvrir, ils verront toujours les choses, ils iront toujours faire des expériences. Donc, tant qu'à faire, le dire, c'est les préparer à ce qui les attendra demain, dehors, quand tu ne seras pas là. Mais dans une société comme la nôtre, hein, en contexte africain, ce n'est pas toujours évident. On va dans la rue ou bien on marche à côté, on voit un homme et une femme en train de s'enlacer, en train de en plein débat sexuel, en train de se donner du plaisir et tout. Forcément, ça peut être choqué parce que ça peut être là une maman qui passe par là, une tante, une belle-mère, une belle-sœur, une belle-fille, et voilà, un collègue, quelqu'un qui le connaît. Moi, j'ai toujours dit que c'est ma vie. Hein. Et ah qu'est-ce qui rend ça si intéressant, justement? Qu'est-ce qui, je veux dire, qu'est-ce que ça apporte de plus dans une relation? Qu'est-ce que c'est? Non, moi, j'ai toujours dit, quand j'aime mon gars, c'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Oui. Dis donc, il a fort à faire. Oui. C'est ça ou rien. C'est très compliqué pour ça. C'est ça ou rien. Alors, est-ce que quand vous le faites, je veux dire, quand les fois où vous arrivez de le faire dans la rue, vous étiez sous, vous avez pris quelque chose, de l'alcool? Jamais. Vous au contraire, quand je suis sous, je ne veux même pas ça. Tu ne dois pas me toucher. N'êtes pas en état d'ivresse. Oui. Quand je suis normal, c'est bien. Donc, vous le faites en toute âme et conscience. Oui. Ben oui. Ouais. Lydia. Lydia. Oui. Ben là, vous avez donc. Elle continue à dire, elle dit, elle aime l'amour. On ne refuse pas. Tu dois aimer l'amour. Oui. Mais pas s'exposer à route parce que tu dois faire l'amour Pourquoi partout, je dois me cacher. Tu dois te cacher, ma fille. Pourquoi? On se cache pour faire ça. Pourquoi? Non. On se cache pour faire ça. Peut-être, justement, ça se cache pas. Comme ma fille dit, il faut apprendre aux enfants que bon, ça c'est pas pour votre moment maintenant. Attendez, arrivera un temps où ça vous arrivera aussi de faire comme nous autres. Malheureusement, c'est pas l'éducation. Ça ne s'apprend même pas. Nous avons reçu. Ma chérie, ça ne s'apprend même pas. Justement, c'est parce qu'on n'ose pas. On est tellement pudique dans nos familles, surtout africaines, on n'ose pas le dire que. Les enfants ont souvent des accidents parce qu'ils vont aller faire l'expérience. Ils ne connaissent pas ce que c'est. On ne leur a jamais dit. Mais les parents ont un devoir à jouer. Les parents sont,
c'est des personnes qui ont certaines images. Ils vont les télévision, qui font parfois rêver leurs enfants. Il y a des enfants qui souhaiteraient ressembler à leur père, qui ont pour modèle leur père ou leur mère. J'ai une petite fille chez moi que j'ai adoptée. D'accord. J'ai pris l'enfant là, elle avait, je crois, 3 ans. Mm-hmm. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Je ne te demande pas qu'un jour je dormais, tard dans la nuit. Je me lève, la fille a mis des XXL là. Elle est en train de regarder calmement. Elle regarde, la qualité là, tu vas faire comment? Tu grondes. Donc, ce n'est pas bien d'empêcher les enfants. Tu grondes, tu lui dis ce que tu regardes là, ce n'est pas à ton âge. Mais peut-être parce que je n'ai pas pris certaines précautions, notamment de couper ces chaînes-là qui sont interdites. Moi, j'empêche. Avec mes enfants, tu peux regarder encore vos tiges là, même jusqu'à l'âge de 17 ans, comme tu dis là. Je ne permets pas, quand ces films-là passent ma série, je ne suis pas là. Avec tous les médias. S'il faille même que je regarde, je vais les regarder seul. Qui sont maintenant, les enfants, ils sont très curieux. Très précoces aussi. Oui. Très, très précoces. Et vous, voilà. Alors, si vous ne les apprenez pas dès maintenant, ils vont faire des mauvaises rencontres, ils vont faire des mauvaises choses. Oui. Ce que vous allez craindre, ce que vous ne leur dites pas maintenant, ils vont aller le découvrir eux-mêmes. Voilà. Et ça va être très, très catastrophique. Vous êtes mère et grand-mère déjà. Comment ça dit? Quelle est l'éducation? Comment vous avez éduqué vos filles? Oui, mes petits-fils ou alors mes filles. Oui, des filles. Ils ont vos enfants. Oui. Parlons de la sexualité. Moi, avec mes enfants, maman, je ne sais même pas quand est-ce que l'une de mes filles va me dire qu'elle est déjà grande. Je constate seulement. J'ai une seule fille qui a déjà un enfant. Oui. Bon, les autres deux enfants, sont les enfants de mon deux fils qui est mort dernièrement. D'accord. Alors, leur maman les garde. J'ai mon petit-fils qui est là avec moi. Il n'a que ces tiges-là pour regarder. Et je ne peux pas lui montrer n'importe quoi. Et même quand il va souvent voir Tigi, il a son truc là, il appelle ça le cocolo. Est-ce que quand votre fille est je ne peux pas lui donner le vrai nom. Elle vous a ramené... Actuellement, je ne peux pas encore lui donner le nom. De quoi? Quand il appelle son zizi là, il appelle ça mon cocolo. D'accord. Bon, voici mon cocolo, oui. Mm-hmm. Bon, il ne sait pas encore ce que c'est. Le moment n'est pas encore arrivé. Et c'est même, je vais pas lui montrer. Il saura ça lui-même. Bien sûr. Je n'aurai pas le temps de montrer à la télévision qu'il voit ce qui se passe. Parfois, on dit appeler le chat par le chat. Oui. Par son nom. Hein. Donc, ça ne peut pas faire plus de mal que ça, quoi. Bah, c'est pas lui montrer la sexualité. C'est montrer, ma chérie. Il va aller plus loin. Et ici, nous sommes en Afrique. Il va aller plus loin. Quand tu vas lui montrer, voilà. Il va aller plus loin. Laisse qu'ils découvrent ça quelque part. Un jour, ils sont avec les amis, ils se parlent. Mm. Mais ce n'est pas toi, son parent, qui va te mettre à faire du n'importe quoi. Mais il faut vivre. La vie est très courte. Ce n'est pas normal. Il faut vivre. Moi, je l'ai vécu, même ma fille, mais pas en vivant dans la rue. Il faut laisser tes filles vivre en l'aise. Non, moi, je ne gèle pas mes filles. Ouais. La vie est très courte. Elles sont libres de le faire partout où elles veulent. Mais moi, je dis non. On ne vit qu'une seule fois. Si je dépuce ça, ça ne va pas. Mm-hmm. Alors, vous l'avez fait avant ou vous ne le faites qu'avec votre. Vous ne le faites. Que maintenant, parce que vous êtes mariée. Non, voilà. Toutes les relations que j'ai eues. Vous avez toujours. J'ai toujours laissé libre cours à mes sentiments. D'accord. Et vous, Miranda? Moi, c'est parce que vous êtes tellement amoureuse que vous êtes prête à tout. C'est chaque fois que je fais avec toi. Si demain ça ne donne pas, je m'en tape ailleurs. C'est comme ça. Ah bon. Si demain ça ne donne pas, je m'en tape ailleurs. Mm-hmm. C'est tout. Si on ne vit pas deux fois. Oui. Pourquoi ça va pas? Alors, ça ne vous choque pas après. Mais ça arrive, ma mère. Ça arrive. Pardon, vous ne regrettez pas son homme. D'avoir vécu ce nombre de choses avec une personne, que ce soit les gens ou pas, et que plus tard, vous vous séparez. Je ne regrette pas. C'est bien sûr que ça va me faire mal, mais après, ça va finir. Mm. Je vais trouver un autre. Mm. Et ça va. Elle facilement amoureuse. Oui. Non, elle adore. Sa passion, c'est la vie. Je suis taureau. Je suis taureau. D'accord. Oui. Elle a dit qu'elle adorait. Toro veut dire Toto, si je comprends bien. Non, pas forcément. Oui. Non, elle n'a pas dit. Elle est taureau. Oui. Tu me dis donc quoi? Un signe d'amour. Okay. Un signe d'amour. D'accord. Oui. Très bien, mesdames. On va observer une courte pause. On va suivre ces Vox Pop qui ont été tournés au quartier Niala Château par François Dikoumé. Regardez juste là. Écoutez attentivement. Quant à vous, continuez à nous écrire. N'hésitez pas à réagir. Dans quelques minutes, on va commencer à lire les réactions, on va commencer à lire les messages. On écoute ces Vox Pop et on se retrouve juste après. C'est pas normal. Pour moi, je trouve pas ça normal d'embrasser sa copine en plein public parce que vous n'avez plus rien à prouver.
devant les gens, parce que si tu es allé à ta copine, tout ce que vous faites doit être en catimini. Bien sûr, c'est mon mari. J'ai le droit de l'embrasser, C'est mon mari, il est tout pour moi. Mais il y a les moments que quand il m'énerve, je ne l'embrasse pas en public. Je fais comme si on ne se connaissait pas. Hein? Mais il reste toujours mon mari, c'est mon chéri. C'est bien normal que j'embrasse mon mari en public. Pourquoi? Parce qu'on aime à tous les niveaux, même à tout. Donc partout où tu te trouves, tu n'as pas honte, puisque tu as choisi. Le choisi, c'est le choisi. À tout niveau, tu peux embrasser ton mari. Moi, je suis toujours fière de lui, quels qu'en soient les problèmes. Oui, puisque si elle l'embrasse, elle ne sait plus quelqu'un d'autre qu'elle va embrasser. Pour moi, c'est normal d'embrasser ma femme en public parce que bon. Pour elle d'abord, c'est je cherche le genre de fille qui est prête à le faire. Je ne cherche pas celle que je vais embrasser en public et elle dit non, celle-là, je ne vais pas m'abonner là-bas. Je m'abonne sur celle qui est prête à m'embrasser en public, même devant une foule de 3 000, 5 000 personnes. Elle n'a pas le stress de dire non, je ne veux pas ici, le milieu n'est pas bon ici, non. Celle que j'aime dans ma vie, c'est celle que je peux embrasser, même s'il y a 2 000, 3 000 personnes. Je suis pour. Je ne suis pas contre parce que c'est mon mari, j'ai le droit de l'embrasser n'importe où que ce soit n'importe où. J'ai le droit de l'embrasser parce que c'est mon mari. Et je l'aime bien, je dois l'embrasser n'importe où. Je le fais par amour parce que je l'aime. Ce n'est que normal. S'il désire que je l'embrasse n'importe où, je l'embrasse. Oui, c'est normal d'embrasser mon mari en public. Je n'ai pas honte, c'est mon mari. Je ne dois pas avoir honte. Si c'est mon chien, il peut avoir honte. Mais mon mari, est-ce qu'elle doit demander la permission? Je dois l'embrasser partout, même si c'est où. Je n'ai pas honte. Hein, papa, est-ce que c'est un crime d'embrasser son mari? C'est pas un crime. C'est normal, non? Il faut qu'elle l'embrasse comme ça, c'est un garde dehors, voit qu'il a une femme, maman Androïde, qui vend les pommes au marché Nyala. Les pommes de terre, pas les pommes de France. Donc je n'ai pas honte. C'est mon mari. Je dois l'embrasser partout. Hein, mon frère? Bye bye, les femmes. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, avec les femmes, nous parlons de la sexualité dans la rue. Et vous avez suivi ces vox pop qui ont été tournés par François Dikoumé. Il y en a qui vous ont fait rire, il y en a qui vous ont intéressé. Très. Particulièrement, je commence par vous, Lydia. Il y a une intervention, un témoignage qui vous aura marqué? Particulièrement rien. Ah bon? Oui. Je dis, quand j'entends dire, elles aiment, elles peuvent embrasser partout... Bon, je ne sais quoi dire. Vous ne savez quoi dire. Je marque les mots. Très bien. Mm. Anne. Oui. Il y en a qui ont... Ils sont tous de mon avis, donc de mon avis à moi. Mm. Donc, voilà, c'est ça. Il faut exprimer ses désirs, ce qu'on ressent. Mm. Ça ne sert à rien de le garder ou d'attendre être à huis clos pour le faire. Mm-hmm. Ouais. Et vous alors, Miranda? Ah, ils sont tous d'accord avec moi. Moi, l'amour, c'est tout. Il faut vivre l'amour. Oui, il faut vivre l'amour. Quand ça me prend n'importe où, même sur la moto. Ouais. Même sur la moto, c'est grave. Oui. Hein? Oui, sur la moto, moi j'ai déjà fait sur la moto. Ah, il y a quoi? Oui, j'ai déjà fait sur la moto, il y a quoi? C'est fou. Bien sûr. Mais. Même pas peur de vous renverser. Mais non, pas du tout. Mais. On ne se renverse pas. Mais la moto. La moto on se renverse, mais c'est bien. Non, sur la moto. Garé, franchement. Quand même. Oui, garé. Garé. Il y a des endroits. Bon, alors, justement, quels sont les endroits les plus insolites vous avez fait là, vous l'avez fait? J'ai dit sur la moto. D'accord, vous avez dit sur la moto, vous avez dit aussi. Dans la piscine. D'accord. Oui. Et au snack. Au snack, dans les toilettes? Pas dans les toilettes, sur les canapés. En public? Bien sûr. Et les autres hôtels, ils dansaient ou bien ils applaudissaient ou qu'est-ce que j'avais ma mini-jupe, c'est tout. J'avais ma mini-jupe. Quand tu as la mini-jupe, ça va. Tu avais la mini-jupe, tu n'étais pas habillée en bas. Non, mais tu t'habilles comment? Non, tu mets quoi on en bas dit, c'est une vraie femme ici. Oui. Franchement, ah, c'est une vraie femme. Mais... Donc, vous avez votre mini-jupe sans votre culotte alors? Bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Bien sûr, moi je porte réellement la culotte. Si ce n'est que moi, c'est que ça n'existe même pas au marché. Non, parce que tu es prête partout, ma fille. Non, moi je suis à l'aise comme ça. Je suis à l'aise comme ça. Elle dit qu'elle ne met jamais de culotte. Avec son gars, avec son gars. Même quand tu es dans ton business, tu n'as pas de culotte, tu es prête. Je porte ça sans culotte. Je suis à l'aise comme ça, je ne vous manque pas. D'accord. Oui. Je suis à l'aise. Oui. C'est mon gars ou pas? Mm-hmm. Qui me dit? Bien sûr.
Il y a des femmes qui ont dit qu'elles préfèrent le faire en public pour marquer leur territoire. Une façon d'exprimer, si une façon de chasser un peu. Voilà. Qu'elle sache que c'est son mari à elle. Oui. Alors, si toi tu voles alors par exemple le mari d'autrui, lui, est-ce que tu vas t'exposer avec lui? Tu ne peux pas. On ne sait jamais. Tu ne pourras pas t'exposer avec lui. Est-ce que c'est parce que vous fait peur Non, que quelqu'un dise ah, c'est depuis l'enfance, ma chérie, même avec mon propre mari. Quand je me suis fiancée, mon mari, il a eu souvent tenté à vouloir m'embrasser devant mes parents. J'ai toujours dit non. Et quand tu es jeune, même à l'âge de 15 ans, j'ai dit non. Et ça a été mon nom jusqu'à aujourd'hui. Ouais, parce qu'il faut dire que vous, vous êtes mariée très tôt. Quand vous avez 15 ans et votre mari en avait 23. 15 ans, oui. Ouais. Je me suis mariée en 79. Je vois pourquoi. Vous voyez pourquoi le pauvre mec frustré toute sa vie. Et pourquoi? Oh non, faut pas peut-être d'ailleurs il le faisait. Oh non, non, mais avec moi, ils ont parce qu'il a demandé, il demandait de l'embrasser. Même devant mes parents, j'avais dit non. Moi, je vais voir mon père assis. Et lui, là, il fait des bisous petits comme ça. Lui, il va, même ces bisous-là, il les force. Et lui, il va aller faire dehors. Il n'a qu'à le faire. Parce qu'il y a un gars qui est passé tout à l'heure, il dit qu'il rêve d'avoir une fille comme mais ça. Mais il n'a pas encore trouvé. Il n'a pas encore trouvé. Une fille comme vous. Oui, il rêve. Ouais. Mais malheureusement, c'est un petit. Donc, il continue à chercher, il va chercher, il va trouver. Malheureusement. Il est petit. Il va vers les femmes qui sont prêtes à le faire aussi. À le faire, oui. Dis donc, mesdames, alors, vous permettez, on va lire. Les réactions sont assez nombreuses. Hein. Oh là là. Les sujets intéressent beaucoup de personnes. Vous voulez que je commence à lire les messages? Bien sûr. Vous voulez que je commence à les lire? Bon, alors, il y a Silas Noumessi qui nous écrit. Il dit, je le fais chaque fois avec ma femme dans les lieux publics. C'est l'amour. Aline Koumi nous dit, qui aime bien, châtie bien. Je ne vois pas en ça un problème. Quand j'aime un homme, je manifeste mon amour en tout temps et en tout lieu. D'accord? Amadou Abdoulaye, non, pas d'exhibition en public. Quels enfants voulons-nous? Julie Kessi, notre Julie. Bonsoir Julie. Votre sujet de ce soir a beaucoup à voir avec le respect d'autrui. Les amoureux peuvent bien être à l'aise. Mais comment se sentent-ils en public? Comment se sent le public? Nous sommes sans ignorer que ces scènes peuvent causer des inconforts chez l'autre. Merci d'en parler, Julie. Oui, très bien. Vous avez pensé à ça? Oui. Joseph Ngameni, bonsoir Julie. Moi, je pense qu'en amour, quand le courant passe, il n'y a pas d'heure ni de lieu. Il faut souvent innover, faire l'amour à la plage, dans la voiture. Bref, on vit l'amour à fond. Ah oui. Dorian Signigne. Bonsoir mesdames, moi je suis totalement contre ces couples qui exposent leur degré d'amour dans la rue. La maman ou grand-mère est à féliciter, car elle fait preuve d'une bonne femme de foyer. Quant aux deux autres dames là, vous récolterez plus tard, quand les enfants prendront la relève. Chapeau aux dames, Dorian depuis Boya. Merci, c'est pas bien grave. Alors il y a Winnie Dankam qui nous écrit. Bonsoir, téléspectatrice camerounaise depuis la diaspora. Je suis votre émission actuelle et j'ai une modique participation. J'étais pas là au début de l'émission, du coup, je connais vraiment pas les noms des dames. Alors, les dames s'appellent Lydia, la dame en jaune, Anne, la dame en rose au milieu, et Miranda, la dame en bleu, jaune et beaucoup de couleurs. Très bien. Alors, les ébats sexuels ne sont pas forcément tolérés dans nos sociétés. Mais pour la dame en boubou bleu, en boubou jaune, je pense qu'elle va un peu loin. Ah non, vous. Se faire tripoter, et c'est malpropre, et c'est pas respectueux, même pour son entourage. Ensuite, la mamie en jaune, je comprends vraiment sa position. Et ce sont des valeurs à préserver. Mais de nos jours, avec tous les moyens d'information, plus on cache quelque chose à l'enfant, plus il a envie de savoir. Vous êtes d'accord? Tout à fait. Alors, Achille Biendier Takoudjou dit, bien que pas dans les mœurs africains, il peut prendre son initiative. Ah ouais, il y a une vaillante dispute entre ses fidèles téléspectateurs. Et finalement, j'ai pu lire le message d'Achille. C'est un gros troubleur en tout cas. Bonsoir Achille, forcément il nous écoute. Achille Biendier Takoudjou. Alors il y a Hervé Samson Mendomo. Je voudrais bien dire quelque chose, mais sachant que chaque chose a un milieu qui s'y est avec. Caresses et autres ne sont pas faites pour la route quand même. Copier le blanc, c'est bien. Mais il nous a plongé la pédo, le lesbien, l'homo, l'inceste. Copions tout ce qu'ils font nettement. C'est notre zone, notre folon si on veut.
Il y a d'autres hommes. Voilà, comme peut-être façon de dire que ils doivent garder leur culture là-bas et nous, on a la nôtre ici. Alors, il y a Rosalie Monté. Oui, c'est possible chez certaines personnes et surtout chez les Blancs. Nous, Africains, c'est encore tabou. Si l'homme vivait selon la recommandation de Dieu, on dormirait portes ouvertes. Pas de vol. Alors, le faire en public ne ferait aucun mal. Chimène Kamgan, j'aime bien faire des câlins à mon bébé où qu'on se trouve dedans, sans toutefois gêner autrui. Et vous pensez qu'en faisant des câlins, vous ne gênerez pas autrui? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Vous croyez? Non. De toute façon, Miranda, elle n'a aucun gêne. Edwige Kouete, bonsoir Julie. Non, pour ma part, car beaucoup aimeront par hypocrisie. Et seul Dieu saura ce que penseront d'autres dans leur cœur. Vive l'amour des yeux pour les hypocrites. Vous pensez? Bah oui. Ils le voient, ils ont envie, mais ils n'osent pas. Oui, c'est ça. Ah, c'est pour ça que vous comprenez la chose. Ouais. Ils le voient, ils ont envie, ils n'osent pas. Oui. Vous pensez pas qu'il y a encore des femmes qui préfèrent garder leur dignité, qui préfèrent faire un certain nombre de choses quand elles sont vraiment dans des lieux secrets où personne d'autre ne peut les voir et tout? Il n'y en a plus. Et ça comprend que c'est-à-dire... On va vraiment fouiller. Quand c'est fait avec modération, sans exagération, c'est très bien. On le vit bien. Ça ne devrait même pas gêner autrui. Mais quand il fait chez les jeunes personnes, mon gars est assis là, je suis sur lui, ça ne gêne. Tu ne peux même pas savoir que nous sommes en train de faire. Tu ne peux pas savoir. À moins que tu cherches à savoir. Voilà. Tu ne peux pas savoir. Mais attendez, quand même, en même temps, vous ne le faites pas devant les, je veux dire, les enfants. Tout le monde sait bien qu'on a une position un peu suspecte. On peut imaginer ce qui se passe. Pas devant les enfants. Il y en a qui se font même photographier, filmer et autres. Vous ne faites pas attention à ça. Mm-hmm. On peut vous filmer hein, et puis diffuser ça sur les réseaux sociaux et autres. Vous ne pensez pas à ça? Moi, je m'en fous. Hein? Hein? Je m'en fous. C'est mon gars. C'est votre gars. Oui. Elle assume très bien sa relation. C'est mon gars. Ah, j'imagine la tête que ces téléspectateurs sont en train de faire chez eux là. Oh là moi, je m'en fous. Sacrée histoire. C'est mon gars. Mettez ça où vous voulez, c'est mon gars. Je ne vole pas. Je ne suis pas en train de voler. Alors, quand on est aimé, avec une telle confiance, avec autant d'amour, beaucoup à donner. Lui-même, il sait. Il est en train d'écouter. Ça fait combien de temps que vous êtes en relation avec lui? Ça fait 7 ans. D'accord. Ça fait 7 ans. Très bien. Mm-hmm. Le mariage, c'est pour bientôt? C'est pour Dieu. Mm-hmm. C'est Dieu qui décide. Et vous vivez cet amour comme ça, façon aussi intense depuis 7 ans? Oui. Ben, vous le rendez fou d'amour alors? Ben, qu'est-ce qu'il attend alors pour concrétiser? C'est Dieu qui décide. Il n'est pas jaloux. C'est Dieu qui décide. Ouais. Oui. Et vous, personnellement, vous êtes prête à vous engager? Oui. C'est parce que vous avez trouvé le bon. Oui. Oui. Sûr. Elle n'est pas prête à séparer ses lycées. C'est bon, c'est sa chance. Bah, vous qui ne vous affichez pas, alors comment vous faisiez pour marquer votre territoire? Voilà. Ah là là, Julie, c'est un peu difficile. Cette question est un peu pertinente pour moi, vraiment. Il y a certaines choses que je n'ose pas dire. Pourquoi? Ici, on dit tout? Oui, justement, je sais. Il faut tout dire. Oui, 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 ici, on dit tout. Je suis une femme mariée, bon, en séparation, en séparation de corps. D'accord. Bon, je ne m'affiche pas n'importe comment. Ben à l'époque, quand vous étiez, ça n'est pas arrivé. Non, hein, la à l'époque, quand j'étais... Vous faisiez comment alors pour marquer le terrain? Non. Montrer aux autres que n'approchez pas, surtout quand vous êtes à non, lieu. Pour ça... Dans les fêtes et non. Jalousie, pour moi, c'est la première des choses. Première des choses, très jalouse. Mais vous ne touchez pas votre mari? Non, je ne touche pas. Je ne touche pas. Vous manifestez. Mais je te prouve que toi qui es à côté ne touche pas. Toi qui es là, ne touche pas. Vous faisiez comment? Non. Tout à l'heure, je vous ai demandé si ça ne l'a pas frustré. Vous êtes sûr que il savait que ma femme n'aime pas ça. Lui-même, il dit, attention, ma femme n'aime pas ça. Il connaissait que sa femme n'aimait pas ça. Est-ce que lui, il aimait ça? Il l'aimait par moment. Le gars, le pauvre gars. Il l'aimait. Moi, dès que j'arrive quelque part avec mon gars, non. Mon mari était d'accord avec moi. Il a dû passer par des murs, des barbes. C'est une place, tout le monde sait. Donc, dès qu'on arrive là, ici, on ne touche pas, tu connais des gens. C'est une place. D'accord. Oui. Ah bon? Araxan Sarkozy nous regarde depuis Montréal, au Canada. Fidèle téléspectatrice de Parole de Femmes. When I love my man, it's me and him and against the world. And yes, I can show him love anywhere. Alors, exactly. So you agree with her? Vous êtes d'accord avec elle? Exactly. Nadine Doris Tchatchou. Bonsoir Julie. Par rapport au thème, un couple peut bien s'exhiber en public, mais tout dépend du contexte dans lequel on se trouve. C'est vrai.
Ça veut dire que quand on est dans les deux, quand même. Ça peut vous prendre. Et Carlos Mino qui demande, ça fait quoi? Non, ça peut te prendre au deuil, ça fait quoi? Au deuil, ou on peut se tenir ça la main? Ça fait quoi? Bah, attendez, Miranda, au deuil, on est triste quand même. On est... La personne là est partie, elle est partie, non? Alors, vous continuez la vie. La vie continue, non? Très bien. Voilà. Il y a quoi sous ça? D'accord. Alors, il y a Isabelle Ngimbous qui dit, bien sûr, pourquoi pas, si on ne peut se maîtriser lorsque les sentiments sont forts. Voilà. Nathalie Bott, Julingue, bonsoir. De ma part, je pense qu'un bisou câlin à son partenaire en public, c'est pas mal. Ça ne veut pas dire faire l'amour en public, mais on doit connaître ses limites pour ne pas être entraîné. Au-delà de ce que je viens de dire, c'est exposer son intimité. Alors, Thérèse Philomène, bonsoir Julie. Nous avons nos valeurs et coutumes qu'il faut respecter et préserver. Il y a des endroits pour des baisers, caresses et autres. À moins que l'émission d'aujourd'hui ne soit une série. Ne copions pas bêtement l'Occident. Sauf si c'est le poisson d'avril. Les endroits là, c'est où? Là, la chambre. Comment? Les endroits là, c'est où alors? On se cache dans la chambre. Ma fille. Quoi? Donc, vous, dans la chambre, c'est trop caché. C'est démodé. Ah bon? Oui, c'est démodé. Non, il faut vivre. Il faut vivre. Librement. Oui, il faut être libre dans la tête. Non, on est libre, ma chérie. Non, tu n'es pas libre. Monsieur, ça rend vieille, ça te stresse. Manuela Reine Guimazon, c'est un peu difficile pour nous, les Africains, de s'exhiber en public, juste pour le respect des uns et des autres. C'est pour lui. Enangue Marie-Rose, il n'est pas interdit à un couple de multiplier des gestes d'amour et de tendresse en public. Mais par contre, il est important de tenir compte de notre culture puritaine qui ne voit pas toujours les démonstrations amoureuses telles que les French kiss d'un bon oeil. Je suis d'accord pour des regards tendres, des caresses furtives, mais des flirts en public par respect pour les autres, je ne le ferai pas. Dans ce sens, je reste attaché à ma culture et je respecte ce contrat social. C'est son avis. Charlie Masse. On est dans la modération. Il y a Charlie Masse qui nous écrit, dit « Notre culture bantou ne nous permet pas ce genre de choses. Le respect autrui est la première arme du bantou, surtout le vrai. Cette tendance est plutôt occidentale. Donc, désolé, voilà ma contribution, Julie. Vous n'êtes pas en train de mal copier, de copier, vous n'êtes pas en train de copier ce qui se passe ailleurs, ce que vous voyez à la télé et tout, Miranda. Je vous ai est-ce dit que vos parents le faisaient? Je sais pas. Non. Vous avez vu que vos parents, vous les avez jamais surpris en plein débat et tout. Ils vous montraient pas comment ils vivent. C'est la télévision et tout et tout. Comment ils vivent leur sexualité. Non, je n'ai jamais vu ça à mes parents. D'accord, vos parents ne montraient pas. Oui, jamais. D'accord. Oui. Donc, quand même, ils vous ont appris à cacher ça, du moins. Eux, ils cachaient ça. Oui, eux, ils cachaient. Ben alors, ben, d'où vous vient donc ce... Moi, c'est ma vie. C'est l'androïsme. C'est ma vie. Ce n'est pas la vie de mes parents. Ça, c'est ma vie. Je le vis comme je veux. Moi, après le divorce de mes parents, mon papa a vécu avec une Européenne. Moi, ça ne m'a pas choquée quand j'étais petite. Hein. Quand j'avais 9-10 ans, ça ne me choquait pas du tout. Je voyais qu'il était amoureux et sa compagne de l'époque était amoureuse. Je ne voyais pas du tout ce qui était choquant là-dessus. En fait, je veux dire que ce n'est pas vouloir voir faire l'amour, mais les bisous, comme j'ai dit, on reste dans la modération. On reste, voilà. Mais ça ne me choquait pas du tout. Et puis, en même temps... Moi, j'étais contente de voir mes parents amoureux. Ouais. Mon père et sa compagne amoureuse. Corvina Yimgadi, caresse, bisous, câlin, oui. Mais le reste, non, parce que nous devons respecter les autres. Nako Bondje, démontrer à son conjoint son affection ou alors sa tendresse ne saurait être un tabou. Quand on aime, on l'exprime. Peu importe le lieu. C'est ça. Il y a Guillaume Kedin qui dit, je suis avec vous, monsieur Nako. Très direct, c'est tout. Quand on aime, on l'exprime. Peu importe le lieu ou le temps. Il y a beaucoup qui pensent comme ça. Voilà, la majorité, je pense. La majorité. De toute façon, ça, chacun a chacun son choix. Chacun a le droit de se faire plaisir comme il voudrait. Ils ont peur. Moi, je n'ai pas de choix à ça. Mon choix, c'est de se cacher. Je pense que ce n'est pas une histoire de copier l'Occident ou pas copier l'Occident. D'accord. Voilà, donc c'est ça. On nous a tellement caché les choses quand il n'y avait pas des médias et tout, quand on était petit. Ouais. Mais tout maintenant, ce n'est pas une histoire de copier, c'est une histoire de vivre pleinement sa vie. Ça vient seul. Ça vient seul. Ça vient seul. Quand tu envoies derrière ta main là, voilà. Ça passe seul. Ça vient ou seul. Ou bien quand tu permets, déjà quand tu envoies la main bien là. Bien sûr, c'est mon gars, allez, non. C'est parti. Il y a quoi sur ça?
C'est sa chose. Non, vraiment. Arrêtez souvent un peu, ma chérie. C'est pas bon. Vous avez tellement frustré votre mari. Ah non, franchement, elle a tellement frustré. Non, vraiment, on va rester courtois dans les termes. Rien à voir. Elle a vécu son histoire, je savais que c'est réalité. Rien à voir, peut-être c'est autre chose et tout. Elle vivait sa relation comme elle la sentait. Pas de bisous devant les gens. Très bien. Alors, il y a Dupri Laure qui nous a écrit. Bien sûr que oui, quelle question. Mon chéri et moi, on se fait des bisous partout. On s'appelle bébé ou chéri partout. En signant l'acte de mariage, tout le monde était là pour témoigner notre amour. Et on s'est bien embrassé devant tout le monde. Parents, oncles, tantes, amis. Je ne vois pas pourquoi on doit se cacher pour faire un simple bisou ou appeler bébé. Français Dailan Sidiou. Si je veux donner les baisers ou les caresses à mon conjoint, même si c'est en plein marché, je le fais pian. Tant pis aux gros yeux de maquereau mal brisé. Quand c'est le blanc, on trouve ça romantique. Mais quand c'est le noir, tu vas seulement entendre. Ils veulent nous montrer qu'ils s'aiment. C'est la jalousie. Jacoma, salut. Ils n'ont qu'à s'exhiber, s'attirer des ennuis comme la jalousie et la haine. Un adage dit, plus on est caché, aussi on se protège des mécontents. Voilà, à bon entendeur, salut. Comme quoi, mieux vaut pour mieux vivre, vivons cachés. C'est aussi un adage. Alors, il y a tellement, il y a Alex Tanque qui dit, ça dépend du degré d'amour. Donc, il y a peut-être certains degrés qui peuvent nous amener à faire certaines choses. Vous êtes d'accord avec ça, Lydia? Oui. Lydia, vous êtes d'accord avec ça? Donc, vous comprenez quand même qu'il y a un amour fou qui peut parfois amener les gens à perdre la tête, perdre la raison et faire certaines choses. Oui. Mais, Lydia? Non, je dis non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes pour... J'ai d'abord dit oui sans bien comprendre. D'accord. Non, je ne suis pas d'accord. Rodrigue John Chedjou, il n'y a qu'en Afrique que cela ne se passe pas. Nous, Africains, nous devons prendre l'exemple sur les Occidentaux. Parfois, nous avons honte de le faire en public. Parfois, vous avez, ils ont honte de le faire en public. Il dit qu'il n'y a qu'en Afrique. Mais il a envie de faire. Il a honte. Mais c'est bon. Qu'est-ce qui est beau, c'est ça? C'est bon. Ah. Il faut avoir honte. Quand on n'a pas honte, on ne vit pas. Non. Pourquoi avoir honte? Oui, on doit avoir honte. Exprimer son amour. On ne devrait pas avoir honte. Qui t'a dit qu'on n'exprime pas? Tu peux exprimer ton amour n'importe où, quelque part, caché dans un cadre. Pourquoi cacher? Moi, je cache. Moi, qui te parle là, je cache. Non. Muriel. Ne m'expose pas. Très bien. Et c'est le cas de Muriel Siwedare qui nous écrit aussi. Je vous dis, il y a tellement de messages. Donc, on va faire l'effort de lire une bonne partie. Ça me donnerait qu'on lise tout quand même. Ils sont tellement nombreux, mais on va lire, d'accord? Il y a Muriel Siwe qui crie, qui dit, on peut s'embrasser, se caresser et autres, mais que ça reste décent. Pas d'exagération. Déjà, même que chez nous en Afrique, on est beaucoup plus adepte de la pudicité. D'accord? Gacha Gisèle. Bonsoir Julie, les câlins, les baisers peuvent bien se faire en public pour des amoureux. Mais aller loin, aller plus loin, c'est-à-dire se distinguer. C'est pas vraiment poli. Vous respectez nos mœurs. Ils sont en train de troubler. Je vous permets de conclure. D'accord? Il y a plus assez de temps. Lydia. Non. Moi, je reste à la position. Je ne suis pas d'accord avec ce que les jeunes dames ont dit. Je reste à ma position. D'accord. Donc, la sexualité dans la rue, vous êtes contre? Je suis très contre. Très. S'il y avait un conseil à donner à ces personnes qui nous écoutent, ces jeunes et tout, non, je leur dis vraiment de s'abstenir. Ils doivent s'abstenir. Ce n'est pas beau à faire ça dans la rue, n'importe où. D'accord. Oui. Et vous alors, Anne Tanga? Moi, je dis... laisser courir libre ses sentiments, il faut écouter son cœur. Si on se sent gêné, ça ne sert à rien, mais si on est bien dans sa peau, on est bien dans sa tête, on se lance. D'accord. Ça ne se calcule pas, il ne faut pas le calculer. Très bien. Et vous alors, Miranda Quentin? Mes frères et sœurs, tout ce que je peux vous dire, si vous êtes amoureuse, il faut vivre à fond. Please, just do it. All right. It's too good to fall in love. Just do it. Il faut faire, mais ça chasse le stress. Merci Miranda. Oui. Merci à vous, merci, Diandia. Oui. Merci à vous, Tanga. Très bon retour. Profitez de vos vacances. Merci à vous, Miranda Quentin. Vous êtes bien débrouillé en français. Merci. On a bien précisé que vous parlez plutôt anglais. Oui. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele, François Dikoumé, Daniel Warren Zedé, Carlos Minué, j'ai oublié certains. Je ne peux pas citer tout le monde. Ah ouais, Cédric Chouna, merci Warren. Merci à vous qui nous avez suivis. On n'a pas pu lire tous les messages, malheureusement, mais merci, ils sont nombreux à réagir. N'oubliez pas les heures de rediffusion jeudi
à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain. Ce sera avec le même plaisir et le même sourire. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir.